puis tu veux pas te faire piquer. Alors, abonne-toi. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on est en janvier, donc je vous souhaite la bonne année, des meilleurs vœux pour tout le monde, à tous les Dédés. Que cette année 2021 soit mieux que 2020, hein, parce qu'on va dire que 2020... Allez, on zappe avec ce virus de merde, j'espère que ça va se finir. Là, on commence pour la première vidéo de 2021. Là, je vais vous montrer une intervention qui date du 2 décembre 2020. C'est un nid de frelon caché dans un arbuste au sol. Et en fait, c'est un gars qui a passé le tracteur et qui a touché le nid et qui s'est fait attaquer. Vous allez voir, il était obligé de partir en urgence parce que vous allez voir le tracteur sur la vidéo, comment il est placé. C'est plutôt pas mal. Il s'est fait piquer à plusieurs reprises, il est parti à l'hôpital, donc voilà, ça reste quand même dangereux. 2 décembre, ben, ils sont encore là, les frelons. Je vous montre ça, je vous dis à très bientôt et encore meilleurs vœux. Allez, bisous! Allez, aujourd'hui, on est le 2 décembre. Donc là, à la fois, on a fait une intervention le 30 novembre, il y avait un soleil magnifique, il faisait bon. Ben là, il fait très très froid. Donc on est content de mettre la combi. Allez, on est sur une intervention avec une grosse piqûre sur le client. Il est parti à l'hôpital, aux urgences. Voilà, c'est un apiculteur, n'importe quoi. C'est un gars qui a voulu couper des ronces avec le tracteur. Et ben, il y avait un nid et il s'est fait attaquer. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est un nid à ras du sol, hein. Donc vous voyez, même en décembre on en fait, ils sont très actifs. Donc je vous montre où il est placé à peu près, je vais pas trop m'approcher parce qu'ils sont sur les nerfs, et après on traite ça. Alors, voilà le tracteur, donc on voit bien que vous voyez là-bas, tout au fond là-bas il y a des ronces, et on voit bien que qui s'est arrêté en urgence et que c'est plutôt l'arbre qui l'a arrêté en fait. Voilà. Donc le nid, je vais essayer de m'y approcher un peu, mais pas trop. Vous voyez, le nid il est vraiment au niveau du sol et on voit que c'est très 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 actif. Hop là, il y en a un qui vient me voir. Allez, je vais mettre la combinaison, la fermer et on va partir au combat. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. On va faire vite parce que je vois qu'il n'y a presque plus de batterie. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça commence à sortir. On imagine bien avec les vibrations du tracteur, ben, ils n'ont pas du tout aimé. Problème avec la poudreuse, il faut la regonfler. Donc vous voyez bien que ça s'est bien attaqué. Là j'ai fait un gros trou et du coup j'ai tout traité à l'intérieur. La poudreuse s'était dégonflée. Regardez-moi ce monde.
Là, si vous voyez le micro. Alors, faire attention parce que j'ai. Il m'attaque de partout. Donc là, il va falloir s'éloigner en toute sécurité. Attendre que les frelons me lâchent un peu. Regardez. Vous voyez, bon, là on est sur un mâle, hein, donc il essaie de me mordre mais il peut pas me piquer. Allez, on va retourner à la voiture tranquillement. Bon, dites-moi ce que vous en pensez les dédés, mettez-moi un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt parce que la GoPro elle va lâcher. Bisous. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.